Bonjour et bienvenue dans cette démo CMC Hornet Security. Aujourd'hui, nous allons aborder la console centralisée VM Backup qui vous permettra donc de gérer l'ensemble de vos clients et de leur sauvegarde. Donc quand vous connectez donc la première fois sur votre console, vous avez un dashboard donc qui vous permettra éventuellement, une fois que c'est configuré, d'avoir l'activité en temps réel donc à votre gauche, et vous aurez donc l'historique de toutes les opérations qui ont été effectuées donc à votre droite, si elles ont été réussies donc en vert ou si elles sont en échec en rouge. Ensuite, vous avez une barre de statut qui vous permet donc de sélectionner votre installation et de voir si celle-ci est correcte ou pas. Et donc dans cette visue, on a les différents backups, donc le backup en local, le offset copy donc déporté dans le cloud, éventuellement la vérification et la réplication. Donc tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est sauvegarde réussi. Là, donc pour les backups, on a les 3 VM qui sont réussis. Pour la copie donc déportée dans cloud, donc j'ai juste configuré une VM de cette façon là et les deux autres sont pas configurés. Donc tout ce qui est bleu, c'est tout ce qui est pas configuré. Ensuite, nous avons des graphiques qui nous permet donc de voir, on va dire, l'historique de sauvegarde qui a été effectué sur nos différents backups en local. Et donc on voit deux types de graphiques avec l'actuel stockage et la taille réelle de stockage sur la destination, et on voit qu'il y a une différence qui représente à peu près 50% qui correspond donc à la compression des données et la déduplication. Donc on a exactement aussi ce même graphique au niveau des tout ce qui est copie offset. Donc la première chose que vous allez effectuer sur cette console pour pouvoir administrer donc les backups de vos clients, c'est de créer déjà votre client. Donc là, on va créer un client et là on aura deux solutions. Soit on va dire ajouter et linker une installation déjà existante ou pas sur un VM backup, ou bien directement un backup physique, donc d'une machine physique. Donc là on va choisir une VM backup, on va choisir notre client et on aura deux choix. Soit on va déjà linker une installation déjà existante, donc on va juste copier un lien dans l'interface pour faire le lien entre cette application et notre console CMC. Ou bien vous installez directement le produit, vous linkez par la suite. Alors installer le produit, c'est simplement, on va dire, un lien qui va vous permettre de télécharger l'utilitaire VM Backup. Et une fois qu'il est installé, après, à l'intérieur de l'interface, vous allez copier donc ce code directement dans le petit onglet CP qui permettra donc de faire le lien entre le VM Backup et votre console. Donc si jamais vous avez besoin de pour ce client là, une fois qu'il est, on va dire, créé, donc là on a la possibilité, si vous voulez arrêter la souscription, de cliquer sur le bouton pour désactiver donc la souscription. Là automatiquement il n'y a plus de remontées qui vont être effectuées. On a la possibilité aussi, si vous le désirez, donc de supprimer un client. Dans ces cas là il faudra que vous passiez par votre compte admin, que vous choisissiez donc votre client et ensuite que vous le supprimiez. Donc on va revenir sur notre VM backup, sur une installation déjà existante. Dans notre installation donc existante, nous voyons donc notre configuration actuelle où on a la possibilité donc de se désabonner de cette console CMC. On a également la possibilité, en cliquant sur Portal Access, d'avoir, on va dire, un accès à un portail client. Donc c'est un courrier qui va être envoyé avec une invitation à enregistrer un nouveau compte de portail. Et ce compte portail donc donnera au client l'accès à la gestion et au contrôle de la restauration de ses propres sauvegardes. Il pourra créer donc des comptes utilisateurs supplémentaires pour d'autres utilisateurs de son organisation et pourra modifier aussi certains paramètres de configuration. Cet accès peut être révoqué ultérieurement. Ensuite, donc, on va avoir l'infrastructure et l'installation donc de notre interface. Donc là, on voit la version du VM Backup qui est installée, les différentes possibilités de management. Donc, on s'aperçoit que là, on a installé, une configuration en local sur un NAS. On a la possibilité de l'éditer pour pouvoir modifier donc ce chemin ou l'utilisateur, le mot de passe par exemple. On a la possibilité d'en rajouter un autre. On va avoir aussi la destination off-sit. Donc là, il y a un compte, un bucket chez Wasabi qui a été créé,
où il y a donc une sauvegarde des portées qui s'effectue. Alors dans la console CMC, là, on n'a pas la possibilité, on va dire, de l'éditer, mais je pense que dans les prochaines versions, on aura la possibilité de le faire. Donc on a la possibilité aussi d'en ajouter d'autres, à partir de là. Et éventuellement, on a la possibilité aussi également de chiffrer ces données sauvegardées. Donc pour revenir à notre interface, donc évidemment si on l'a installé et on n'a pas encore linké l'installation, on peut le faire directement à partir de là, ou on peut linker une autre installation. Au niveau du Manage Host, on va retrouver donc notre interface avec les différents sauvegardes qui ont été effectuées. Si on la sélectionne, on a la possibilité de sélectionner on va dire la licence pour ce host là, où on peut installer aussi directement le VM Backup. Bon, là j'en ai pas besoin puisque c'est déjà installé. On a la possibilité aussi donc de configurer un serveur de off-site. Ça va être valable pour dans le cas où vous faites de la réplication. Au niveau des templates, donc on peut créer donc des templates qui vous permettra donc d'assigner, on va dire, une directive spécifique au niveau de la configuration de vos sauvegardes. Là, à l'heure actuelle, j'en ai deux. Une qui va, on va dire, être assignée à des machines clientes et d'autres pour le serveur. Donc on peut éditer par exemple celle qui est, on va dire, affectée au client. On a la possibilité donc de voir que ça va être effectué on va dire tous les jours, du lundi au vendredi à 20h. On peut choisir aussi sa politique de rétention. Donc on peut choisir au bout de combien de temps les anciennes sauvegardes vont être effacées. La même chose pour les copies déportées, donc off-site. Et par défaut, je vous conseille de laisser la déduplication, le chiffrement, c'est le moment dans lequel vous voulez le faire, d'exclure les fichiers ISO de la sauvegarde, utiliser CBT, c'est pour améliorer les performances. Et une fois que vous avez donc créé votre, on va dire, settings, vous pourrez donc les assigner directement à vos backups. Donc là, on va retrouver nos 3 VM. Où actuellement on voit que elles sont assignées, donc on peut sélectionner par exemple, on va prendre celle du Windows 10 avec dans l'Active Directory, on va désactiver donc le template à cette machine. Donc tout ça c'est fait en temps réel, donc c'est la stratégie qui va être poussée directement sur l'interface où se trouvent les machines virtuelles. Et là, on va le remettre, on va plutôt assigner un template directement à cette machine. Donc là, on va reprendre la même. Voilà. Donc là, on a assigné directement notre sauvegarde directement à cette machine-là. On a la possibilité aussi de définir des alertes. Donc il suffit simplement d'activer cette option-là, de choisir l'utilisateur sur lequel vous voulez envoyer des alertes. Donc vous créez votre compte. Et à ce moment-là, automatiquement, vous aurez des informations sur tout ce qui est rapport de support des sauvegardes que vous allez effectuer. Vous pouvez le faire donc uniquement pour certains critères. Donc là, le Daily Summary Setting, c'est vraiment pour tout ce qui est sauvegarde. Et dès que vous avez une erreur, par exemple sur un backup, sur Office Copy ou vérification, tout ce qui est fail ou avec des warnings. Ou même si vous le direz par défaut, c'est pas configuré, mais si vous voulez avoir une alerte sur les sauvegardes, même si elles sont réussies, vous pourrez le configurer à ce niveau-là. Ensuite, vous aurez l'historique, tout ce qui a été, on va dire, envoyé sur l'adresse en question. Vous allez retrouver donc cette notion de backup qui vous permettra donc de faire des backups spontanés en direct. Si vous voulez par exemple sélectionner une machine et que vous voulez faire un backup, il suffit simplement de sélectionner la machine en question et de faire un backup manuellement. À cet endroit-là, on va retrouver donc notre sauvegarde déportée. Donc là, pareil, vous avez la possibilité de la sélectionner et d'effectuer, on va dire, une sauvegarde.
Donc vous avez aussi la possibilité, là, je ne sais pas si vous voyez, click to mute alerte. Donc ça permet justement de désactiver des alertes pour un serveur qui permettent de l'exclure des barres de santé, des notifications par courriel électronique. Ces alertes sont désactivées pour toutes les opérations de sauvegarde, de copie hors site et de vérification pour ce serveur. C'est vraiment utile lorsque vous avez un serveur qui est plus sauvegardé ou qui n'a plus besoin d'être inclus dans votre programme de sauvegarde. Et donc le fait de supprimer de votre barre de santé et de vos vérifications, ça vous permettra donc de voir plus facilement quand une sauvegarde critique rencontre des problèmes. Donc voilà, si jamais vous voulez le faire, c'est ce petit bouton-là. Vous aurez d'ailleurs un message d'alerte pour pouvoir le faire. Ensuite, vous aurez cette notion de recherche avec des critères spécifiques qui vous permettra donc d'avoir une visu de ce que vous voulez avoir comme remontée d'informations sur telle ou telle de sauvegarde. Donc vous avez une multitude de critères qui permet de le faire. Et là, par exemple, j'ai indiqué les différents serveurs qui ont eu une sauvegarde off-site, donc depuis 7 jours. Voilà, si je l'édite, c'est toutes les sauvegardes réussies depuis là, c'est 3 jours pour celui-ci. Donc quand je clique dessus, ça me donne le résultat de cette recherche. Bon, là, j'en ai pas. Si je prends un autre. Donc là, c'est une demande de recherche sur toutes les sauvegardes réussies en local sur 7 jours. Voilà. Si jamais on a la réplication qui est configurée ici, on va avoir une remontée des informations ici. Pour cette démo, on n'en a pas. On a la possibilité de faire une restauration d'une machine virtuelle. Donc il suffit pour cela simplement de sélectionner le bouton Next, de choisir l'utilisateur. Donc là, c'est celui-ci. Là, on va avoir trois choix. Donc soit on restaure une ou plusieurs machines virtuelles directement à partir du backup, soit on va choisir un répertoire spécifique pour une restauration qui n'a pas été effectuée comme sauvegarde, ou bien on peut restaurer une ou plusieurs machines virtuelles à partir donc d'une sauvegarde sur un off-site backup serveur au niveau réplication. Là, dans notre cas, on va prendre la première. Et là, il suffira simplement de sélectionner sa VM qu'on veut restaurer. Et donc, en faisant Next, automatiquement, il va scanner, on va dire, la sauvegarde en local. Là, dans l'occurrence, c'était sur le NAS. Et à partir de là, une fois qu'il a fait ça, eh ben, il va pouvoir nous restaurer. Bon, on va pas le faire maintenant parce que ça prend un peu de temps, mais ça permettra donc de restaurer une VM avec ce nom clone directement sur votre hyperviseur. Si jamais vous avez des serveurs physiques, vous pouvez le faire aussi à ce niveau-là. Vous avez possibilité donc de restaurer des machines physiques. Vous avez cette notion de report, où on va avoir des informations directement, bon, comme on l'a vu dans le dashboard, les différentes storage, donc occupation des différentes sauvegardes, suivant le mois et suivant surtout le client. On va avoir la même chose pour tout ce qui est sauvegarde déportée, donc off-site. On va avoir des rapports possibles aussi également. Un historique, donc il suffit simplement de choisir, on va dire, soit une VM en question, ou soit directement, hop, on va choisir là, le Weblogfi par exemple. Et là, on va avoir un historique de tout ce qui a été effectué en termes de sauvegarde, avec le nom de la VM, le temps et la taille qui a été utilisée pour le transfert. On va avoir la même chose pour les erreurs. Donc, il suffira simplement de choisir le host. Et là, on va avoir une remontée de toutes les erreurs de nos sauvegardes. Ce qui est intéressant aussi, là on a terminé, c'est pour chaque console. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez accès directement à une aide de l'éditeur. Donc pour cela, il suffit simplement de cliquer sur la petite bulle en bas à gauche. À partir de là, vous mettez votre nom, hein, une adresse email, voilà, le produit sur lequel vous voulez avoir du support, on va prendre VM Backup,
Là, vous commencez le chat. Et généralement, c'est assez rapide. On a une personne qui répond rapidement. Voilà. Donc, je dirais juste que c'est un test. Si jamais vous avez un souci, que ce soit de backup ou une question ou autre, sachez que pendant les heures de bureau, il y a un technicien qui sera toujours disponible pour pouvoir vous dépanner le cas échéant si jamais vous avez une question ou un souci. Cette démo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.